La symphonie enrhumée et très affligeante de Pauvre Lampil. Prenez l'atelier d'un dessinateur quelconque. Imaginez-le se tortillant sur sa chaise à la recherche de l'inspiration. Allez, un petit coup pour se mettre en train. Et voilà que le dessinateur en question se met à crayonner fébrilement. Et massacre tous les marqueurs achetés la veille. Oui, mais monsieur, comment ils font ceux qui n'ont pas de CD ? Dites, est-ce que quelqu'un pourrait fermer la porte du studio quand j'enregistre ? Merci. Bon, où j'en étais, moi ? Voilà. Imaginez que notre dessinateur, de rage, chiffonne sa planche. Et la réduit carrément en ticket de métro. Tout cela, bien évidemment, avec la satisfaction du travail bien fait. Bon, la journée commence mal. En outre, notre pauvre dessinateur a attrapé froid en allant dédicacer dans un trou perdu. Et comme par hasard, le chauffage vient d'être coupé. Même qu'on se demande s'il passera l'hiver. Voilà, le tableau est brossé et il est désolant. Pour lier la sauce, prenez une contrebasse qui swing bien. Vous voilà prêt à subir la symphonie enrhumée et très affligeante de Pauvre Lampil. Courage !